took her out. It was a Friday night. I woke alone. Salut les amis, comment allez-vous? Ici TruckDriver86 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo encore et toujours sur Need for Speed Most Wanted. Ça va devenir le jeu où je vais faire le plus de vidéos à force. Mais c'est vraiment un excellent jeu, donc ça, comment dire, pas ça se confirme, mais ça vaut le coup. Donc, alors, info speed level 61, d'accord, point gagné en ligne 100, et je me prends déjà un takedown. Donc oui, je suis désolé, j'ai resté peut-être une semaine sans faire de vidéo parce que je ne savais vraiment pas trop quoi faire comme vidéo. Alors au début, j'avais dit dans une ou deux vidéos que je voulais faire une vidéo du DLC de Need for Speed Most Wanted, DLC Pack Ultimate Speed, après l'avoir platiné. Puis finalement, j'ai platiné le jeu, puis en réfléchissant bien, ça faisait quand même très chier de payer 10 euros pour 5 voitures. Donc au final, je n'ai pas pris le DLC. Après, j'avais dit que je ferais une vidéo de la bêta de God of War, parce que j'avais déjà fait une vidéo de la démo solo. Et puis, je sais pas, c'est pas une chose qui me chante vraiment. Donc je reviens avec donc une vidéo de Need for Speed. Et là, j'arrive, donc c'est bon, c'est un entracte. Donc ça veut dire qu'on va faire une speed list complète en essayant de ne pas avoir de déconnexion d'autologue. Puisque j'ai déjà été déconnecté deux fois. On va se prendre une autre caisse. Personnalisée, modif, nitro, overboost, boost pro. Donc on va prendre une autre caisse. Tac, qu'est-ce qu'on va se prendre? Quand même pas prendre la Bugatti. Si tout le monde prend la Bugatti. Bah, c'est-à-dire que si je veux rivaliser avec les autres, il va sûrement falloir que je prenne la Bugatti. Bugatti, c'est quelle marque déjà? Eh bien, j'ai une Bugatti, voilà. Bugatti, Veyron, Super Sport. Voilà. Est-ce que j'ai débloqué des couleurs, tiens, pour elle? Je sais même pas, parce que j'ai pas beaucoup joué avec, au final. J'ai pas beaucoup joué avec, au final. Personnalisé, modif, pneu, slick. Nitro Boost Pro aussi, un petit peu, quand même. Châssis allégé, aérodynamique et boîte courte pro en plus. 12 revanches, tech d'un instantané, peinture, argent métallisé, personnalisé, peinture, blanc satiné. On va se mettre en blanc. Voilà. Donc l'entracte est fini, sans restriction et deux speed tests. Une course équipe, un défi et une course. Parfait. En espérant que ça marche bien tout le long. Donc c'est parti. Allez, conduire jusqu'à rendez-vous. Ça a l'air déjà pas mal parti. Oh là là là. Je m'excuse, je vais peut-être conduire très mal puisque ça fait quelques jours que je n'y ai pas joué. Ah là 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 là, je le sentais bien là, je voulais passer entre les deux, mais avec une autre voiture un peu plus solide, ça l'aurait peut-être fait. Voilà, on va passer entre les deux. Hop là, hop. Pas trop mettre de boost là dans cette rue là, parce que ça tourne quand même pas mal. Je sens que vous allez voir beaucoup, mais alors beaucoup d'accidents. Arrête un petit coup pour démarrer. Oh, faut pas que je me plante de trop, parce qu'il y en a un qui est juste derrière moi. Il reste 200 mètres, donc c'est bon. Je suis premier au rendez-vous. Eh bien, ça commence bien, on va dire. Allez, il n'y a plus qu'à attendre les autres, parce que des fois, c'est ça la misère, c'est que les autres mettent 2 heures à arriver. Oh bah ça me met carrément sur le toit, dites donc. Alors honnêtement, je viens d'acquérir Resident Evil 6, là que j'ai trouvé pour pas trop cher. Je sais pas si je vais faire des vidéos dessus. J'ai regardé un peu les vidéos en sont pas mal à gaver, je trouve déjà.
Pardon, excusez-moi, je n'ai pas trop dit ma phrase à la française. Il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube, je trouve, de Resident Evil 6. Alors, je ferai pas de playthrough parce que ça risque d'être long. J'en ferai peut-être une, peut-être que je vais faire une fois la campagne et puis quand je trouverai un passage pas trop mauvais. Où c'est qu'ils m'ont mis là? Un passage pas trop mauvais dans le jeu, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Sur le plus long depuis l'échafaudage de. D'accord. Ok, donc c'est depuis là, ici en bas. Pas se faire éliminer tout de suite. Ah, j'espère que je ne suis pas éliminé. Non, c'est bon, j'ai eu de la chance. Oh là là. Je vais m'éliminer tout seul en fin de compte. Je pensais que c'était plus long. Oh là là, regardez ça. Il va falloir que je me dépêche parce que je crois qu'il y a une minute. On va peut-être arriver à faire quelque chose. Il est où ce tremplin là? Allez, c'est parti. Ouh. Combien j'ai fait? 118. Putain, 161. Il a fait le premier. Pas mal. Il a dû avoir pas mal d'élan. Peut-être un overboost. On va se faire une petite deuxième tentative. Oh là là, il y a du monde à l'entrée. Ah, c'est dommage, j'aurais fait qu'une tentative. 17 secondes. 12 secondes, on va essayer. Ça va être chaud. Oh, l'autre me gêne. Putain. Ah, excusez-moi, premier gros mot. Bon, bah tant pis. J'ai été éliminé en plus. 30 secondes de takedown instantané. Je finis deuxième. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Je finis deuxième. J'avais été premier au rendez-vous, ça compense, on va dire. Profite de mon bonus de takedown instantané. Bon là je serai pas premier. Il y a déjà du monde sur la route. Ah bah des lancs. Je l'avais vu l'autre qui était juste derrière moi. Ça fait deux fois qu'il me takedown lui là, José Lupa là. En plus il a une voiture du pack là. Regardez les deux comme ils se tirent la bourre là. Tiens toi, prends ça. Alors moi je sais pas où je suis passé là. Ah dis donc j'ai raté le rendez-vous. Je suis arrivé combien au rendez-vous, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est encore un speed test, je crois qu'il y avait deux speed tests à suivre de mémoire. Ça, c'est un saut qui est super génial. Bon, bah là, je me suis bien raté. Bon, je sais pas ce qui se passe. On attend que les autres arrivent. Voilà, ça va commencer. C'est pas mal. Interloop drifting, ça doit être à l'intérieur. Speed test drift le plus long sur les boucles entrelacées. Allez, c'est bon, je suis parti. Ah, je vais tomber. Ah, puis j'en avais deux en face de moi, donc je pense que je suis éliminé, non? 225. On va se mettre dans le même sens que les autres. Pas évident hein, tenir la cadence hein. Je sais pas comment j'arrive à faire ça les amis. Je peux te dire que je suis en train de faire chauffer la manette tellement je la tiens fort.
800, j'espère que ça l'a compté, putain. Puisque l'autre, il m'a fait exploser à la fin. Ah, oh, 891, mais je suis éliminé, dites donc. 30 secondes de takedown instantané. Alors, je sais pas si le fait que je sois éliminé me garde à la même à la première place quand même. Tiens, je suis éliminé, je vois pas pourquoi je n'éliminerai pas les autres. Ah, c'est bon ça de faire éliminer les autres. Premier du speed test, excellent. Faut que je savoure cette victoire, c'est peut-être la seule. Alors, où est-ce qu'on va? 891 mètres, c'est bon ça. Où est-ce qu'on va? Lui, regardez, il va me percuter. Où est-ce qu'on va? On va là-bas. Allez, c'est parti. Il y a déjà du monde qui est parti en avant. J'ai l'impression que certains connaissent un peu les comment dire. Oh là 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 là, il y a du monde là. Connaissent les speed lists par cœur et ça vous sont les points de rendez-vous, alors ils ont vraiment de la chance de se retrouver. On va faire un saut génial là. Oh bah pousse-toi toi. Bon, je me suis raté et puis là je vais atterrir sur deux roues. Non, c'est bon, hop là, direct ça m'envoie dans la, vous voyez hein, un accident et on a vite fait de perdre des places hein. Bien que ça soit pas une course, mais bon. Elle tourne pas cette Bugatti, hein, c'est affolant. C'est pas plus mal qu'il y ait une restriction de voitures de tourisme pour les autres. Les deux dernières épreuves. Oh là là, l'autre il m'est passé juste au-dessous. Oh ben, il a pas eu de chance. Vous êtes en équipe alpha, c'est une course en équipe. J'aime bien ça, les courses en équipe. Je suis arrivé deuxième donc. Pourquoi je vais me percuter tout seul dans la barrière, je vous le demande, j'en sais rien du tout, c'est pas grave. Et lui là, il passe sous moi. Je suis donc dans l'équipe bleue, ce qui est pas mal. Et moi, je vais faire les takedowns, mais je me percute le mur tout seul. Pourquoi j'ai pas le takedown instantané? Je fais comme les autres. Hein. Moi, j'aime bien faire des takedowns, là. Alors, où sont les autres? On va remplir son boost. Je ne sais pas dans quel sens va partir la course. Alors, il manque un joueur. À mon avis, la course va partir vers là-bas, oui. Et les cartons. La palette de cartons. Ah, ça, je le sens bien que ça va partir dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Oh putain, je rate le premier checkpoint. Oh là 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 là. Bon alors là, quand vous ratez le premier checkpoint, c'est mort. Je vais vous être assuré de la dernière place. Ça m'ennuie, ça. Bon bah c'était mal parti cette course et en fin de compte je vais la finir à la dernière place en espérant que mon équipe, il y a déjà un autre bleu derrière moi donc mon équipe est très mal partie en fin de compte. Je joue vraiment mais comme une merde. Oh là là le freeze. Bon bah cette voiture ne tourne définitivement pas. C'est bien dommage.
Alors là, mais je suis vraiment à la ramasse. Je sais même pas si je vais finir la course. Oh là là là, j'étais sûr que j'allais pas passer les. J'étais sûr que j'allais pas passer le dans les conteneurs. Allez, dépêche-toi de remettre en place, toi. Oh là 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 là. Eh ben, j'y arrive combien? Septième, non? Cinquième. Cinquième sur sept. D'accord. Puis l'autre, il m'a flé, j'attaque dans en même temps. Je crois que mon équipe a perdu. Hein. Et d'où qu'il est arrivé, celui-là? Regardez ça, comment je me prends des takedowns, mais ah, les uns à la suite des autres. Hein. C'est affolant de voir ça. Hein. Et quand j'ai le takedown instantané, je ne vais pas réussir à en faire un seul. Mais par contre, j'arrive à me prendre du trafic. Le truc de fou, quoi. Je sais pas où ils sont. J'ai réussi un takedown sur machin. Mehdi 75. Et les autres, je sais pas où ils sont. Où est-ce qu'ils sont, les autres? Donc, votre équipe a perdu. C'est bien ce qui me semblait. Il y en a un qui a pris 2200 speed points, quand même. C'est pas grave. Bon, roulez jusqu'à Grand Tourisme. Pas grave. Vous avez vu, regardez, ils sont déjà partis vers là-bas, quoi. C'est fou de voir ça, 1 km en plus, c'est pas vrai, c'est vraiment pas loin. Et c'est accident sur accident. La voiture qui apparaît juste devant moi. Bac! Je l'ai eu lui ou pas? Je pense à rien du tout. On va changer de voiture. Autre voiture, Mercedes, Porsche, Panamera, Maserati. On va se prendre la Maserati. Ou laquelle, la Bentley? Oh là là, j'ai pris la Bentley sans vouloir. C'est pas celle que je voulais prendre. Je voulais juste comparer les stats en fin de compte. Alors, on se dépêche. Attendez, me faites pas d'accident. On va se prendre une Mercedes AMG. Voilà, celle-là, elle a de la classe. Personnalisée, cette voiture, hein, elle ne peut être personnalisée, d'accord. Tiens, toi! Je sais pas si je t'ai eu. Alors nous en sommes à la quatrième épreuve, si ma mémoire est bonne. Donc l'avant-dernière, voir le bandeau pour plus d'informations. Course jusqu'à la plateforme du toit à l'arrière de la sous-station. Bah merci, lui il m'a poussé et... Et là là, je pensais passer entre les deux. Il y avait vraiment là trois voitures du trafic de front là. Oh là 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 là, c'était chaud là. Putain, j'ai zéro boost là-dessus. Et ce qu'il y a en fin de compte, quand il y a des virages à droite, le nom des joueurs me gêne vraiment. Et je me suis planté de route, d'accord. Merci Nicolas. En fait, je vais pas gagner grand chose ici. Qu'est-ce qu'ils font tous là? Oh là 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 là. Il faut monter là-haut en fait. Je suis quatrième, d'accord. C'est par là. En plus, je le connais le truc, mais.
c'est que je réfléchis et je réfléchis un peu trop en fin de compte. Je voudrais vous parler pour pas faire trop de blanc en même temps. Mais regardez, je suis les autres comme une merde. Et puis en fin de compte, je me perds en même temps que je sais pas si c'est vraiment bien utile que je passe par là en fin de compte. Et ça, ça m'ennuie beaucoup. Donc je fais de la merde hein, sur cette vidéo, hein, on est bien d'accord. Je commence à me dire si je vais la mettre en ligne ou pas. Puisqu'en fin de compte, il y en a un qui est déjà et qui est en train d'accumuler du temps à mort là-haut. Mais comment il a fait pour aller là-haut, lui? Comment il... En fin de compte, je pense que je vais finir par me faire éliminer avant même d'avoir réussi à aller là où on doit aller. Comment il a réussi à aller sur ce putain de toit, lui? Ah d'accord, je viens de capter. Je viens de capter la rampe. Ok. D'accord, je capte. Une fois qu'on est là, donc on fait, le défi est terminé. Donc j'aurais marqué un petit peu de points quand même. Quatrième. J'aurais eu du mal à comprendre hein, ce qu'il fallait faire. Oh là là, ça me bouffe ces frises là. Ah, j'en étais sûr. Je pensais qu'il allait me faire un takedown lui. Pourquoi ça me mettait la route vers là-bas et j'ai fait demi-tour exprès, dites donc. Ah, j'aurais pu passer à droite. Je suis carrément, mais je pars à l'opposé à chaque fois. Alors, je suis troisième avec 9000 points. Pourquoi j'ai le truc copieur là? Je peux toujours pas la personnaliser en fin de compte. C'est dommage. C'est dommage. Bon, tant pis. Ah mince, je suis pas au point de rendez-vous. Donc c'est la dernière épreuve. D'accord. En plus, la course commence. Ah oh bah c'est bon, ça me remet pile dans le chemin de la course. Bon allez, je vais essayer de m'appliquer ce coup-ci. On va essayer de s'appliquer ce coup-ci. Ça fait deux fois que je le dis, mais bon. Je vais peut-être pas trop parler pendant la course. Histoire de me concentrer un peu. Histoire de me planter quoi aussi. Oh là là, j'hallucine. Alors, je me retrouve troisième. Oh, l'autre a raté la route. J'ai de la chance. Alors là, la sortie, par contre, il faut pas que je me plante. Oh là 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 là, c'était juste. Ah, c'est une course de plusieurs tours. Et la camionnette me dit merci. Allez, dépêche-toi. Regardez, je me dirige exactement là où il faut pas, en plein dans le trafic. Allez, dépêche-toi, il y a une voiture qui arrive là. Oh là là là, il a failli me percuter. Hein.
vraiment du mal. Hein. Ça se voit que ça fait quelques jours que j'ai pas touché. Le temps de reprendre la conduite en main. L'autre s'est planté. J'ai de la chance qu'à chaque fois, il y en a un qui rate la route ici. Et moi aussi, je me plante, mais comme une merde, juste avant l'arrivée, regardez ça. Allez, dépêche-toi, 3 heures en place. Ah, vite, je vais peut-être finir deuxième. Oui! On va essayer de se faire des takedowns, là. Tiens, c'est lui qui m'a eu. Raté. Bon, c'est pas grave. Il nous en manque un. Ouh là là, dites donc, 2 takedowns d'affilée. Je fais des takedowns histoire de prendre un peu de points avant la fin. Et donc je finis bien deuxième, malgré piètre course. Hein. Heureusement que ceux qui étaient avec moi n'étaient pas vraiment très très bons, on va dire. Donc je n'ai gagné qu'un speed test. Et je finis troisième avec 13 000 speed points. Bon, ben c'est... On va dire que c'est pas mal. Bon, ben les amis, en attendant, ben moi je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.